Les femmes du Mali ont organisé une grande marche silencieuse au Monument de la Paix ce vendredi 3 juin 2022 pour protester contre les formes de violence faites aux femmes. Cette mobilisation a réuni de nombreuses associations de défense des droits des femmes au Mali. Suivant le reportage de Amadi Konaté et de Astan Diakté. En fait, on est sorti aujourd'hui parce qu'on a fait un constat général. On voit que dans notre société actuellement, il y a plusieurs féminicide, c'est-à-dire que les femmes sont persécutées par leurs époux et les filles aussi sont très souvent violées par les hommes. Donc c'est pourquoi on est sorti aujourd'hui pour dénoncer cet état de fait et essayer de voir comment est-ce que la justice peut nous aider à solutionner ça. Actuellement, on veut que la justice mette en place un système d'incarcération pour ces hommes, du moment où ils ne peuvent pas être exécutés, comme ils le font avec les femmes, qu'ils mettent un système vraiment solide qui va pousser ces hommes à arrêter. C'est-à-dire quand quelqu'un est condamné, que la personne reste condamnée et a purgé toute sa peine. Qu'on ne voit pas cette même personne le lendemain dans la rue en train de se pavaner. Les violences faites aux femmes, les atrocités dont les femmes sont victimes tous les jours. Donc, nous nous sommes réunis dans Femmes du Mali pour faire une action commune, pour faire entendre nos voix féminines, pour, à travers ce mouvement et demander aux autorités vraiment qui veillent sur les femmes. Il faut qu'ils fassent tout pour laisser les femmes en paix. Les femmes qui sont la base de la société, les femmes qui enfantent, les femmes qui donnent la vie dans la douleur, pourquoi être si méchant avec les femmes jusqu'à la mort? Et nous disons aux autorités qu'ils veillent sur les femmes, les filles qui sont en train d'être violées à tout moment, dans les ménages, dans les rues. Stop à tout ça. Comme vous les avez entendu, non aux violences faites aux femmes. On dit non et encore non aux violences.